télé, c'était les chats. Y'a qu'une télé, c'était les chats. Chalut. Il y a des matins où on n'aime pas se regarder dans la glace. Et pourquoi? La honte. Je me suis rasé les yeux fermés. Voilà le résultat. Les yeux fermés? Et vous ne vous êtes coupé qu'une fois seulement? Mais vous êtes champion. Vous avez honte de quoi? De moi. Hier après-midi au tennis, j'avais le match en main. Je gagne les deux premiers sets dans un fauteuil, et cet angora minable me gagne les trois derniers. Rien ne me réussissait. Je loupais tout. Comment un chat angora peut-il vous battre au tennis? Il voit rien avec ses longs poils. Il avait mis son bandeau, il voyait tout. Sombre mitanche. Enfin, aujourd'hui, Lourdi 07, c'est la Saint-Paquet cadeau. Tenez, c'est pour vous, Lola. Bonne fête à tous les paquets cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Pas sur antenne. C'est le moment de Téléchat Beauté. Avec nous pour ce spécial beauté, deux fidèles téléspectatrices, Raymond et Sophie. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà eu des problèmes de peau? Oui, dans le thé au lait. Well, quand il refroidit, ça fait des vilaines petites peaux qui collent au visage. Et vous, madame? Pas spécialement. Enfin, si on peut dire. Je ne supporte pas les spaghettis à la sauce tomate. Ça me laisse des rougeurs. En tout cas, vous avez toutes les deux un teint de pêche. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Regardez ce reportage. Cette tartine et cette biscotte veulent aller danser. La tartine, par ailleurs très jolie, a le visage tout fripé. La biscotte, ronde et potelée, a le visage tout criblé. Que faire? Premièrement, étaler une bonne couche de beurre frais. Attention, frais, mais pas froid, pour ne pas casser la biscotte. Deuxièmement, mettre un peu de confiture de cerise sur les joues pour donner bonne mine. Troisièmement, du miel sur le nez pour qu'il ne brille pas. Quatrièmement, un peu de confiture de myrtille pour donner de l'éclat aux yeux. Cinquièmement, de la confiture de fraise pour rendre les lèvres bien rouges. Voilà. Nos deux amies sont prêtes à sortir ce soir. Amusez-vous bien, mademoiselle. Super chic. En fait, il n'y a que le luxe. Où trouve-t-on ces produits de beauté? Dans toutes les bonnes épiceries. Une page de publicité, la pub de Pub Pub. Maillot de bain nul, enjolive et dissimule. Alors, tu vas y aller, Pub Pub? Ça va, Micmac? Pourquoi on n'a pas pris l'ascenseur? Parce qu'on fait un portage sur les marches. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des premiers et il y a des derniers. Mais quelle est la première marche? Celle du haut ou celle du bas? Ça dépend si on monte ou si on descend. C'est pas toi que je cause. Gluons de la marche du haut. Vous considérez-vous comme la première marche de l'escalier ou comme la dernière? Considérez-moi comme la marche supérieure. J'ai commencé en bas, mais je me suis faite toute seule, moi, monsieur. Comment ça? Un par un, j'ai gravi tous les échelons. Maintenant, je suis au sommet. Je ne dois rien à personne. Je suis une self-made marche. Gluons de la marche du bas. Vous considérez-vous comme la première marche de l'escalier ou comme la dernière? Vous savez, monsieur, on fait tous partie du même escalier. Il y a des marches militaires, des marches nuptiales et des marches funèbres. Et vous? Vous êtes quoi? Moi, je ne suis qu'une marche moi-dessus. Mais attention, si on me rate, on risque de se casser le nez. Alors, qui est la première? Qui est la dernière? Pas si simple, à vous de juger. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angora. Chat de gouttière et chat siamois. Il n'y a qu'une télé, c'était les chats. Comme c'est gentil. Ah, mais pourquoi? C'est pas mon anniversaire? Elle bouffe tout.